Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et donc comme chaque semaine, on se retrouve pour les bons plans PC et hardware. Et bien sûr, comme d'habitude, tous les liens que je vous présente sont dans la description de la vidéo. Deux petites choses juste avant de commencer les bons plans. Il y a les récompenses sur le hardware européen qui est tombé, récompense 2020. Il y a le site Cocotland qui répertorie tous les gagnants. Donc je vous laisse regarder, je mettrai la page également dans la description. Donc tous les gagnants ici. J'avais envie de vous montrer déjà la petite Nitro Plus RX 5700 XT de chez Sapphire sera dans la vidéo, bon plan. Mais je vais vous montrer un petit truc, le petit refroidissement ici que je vous montre régulièrement dans mes vidéos Arctic Liquid Freezer 2. Donc je l'avais présenté celui-ci en vidéo, je l'ai trouvé génial à l'époque quand j'avais présenté la vidéo. Donc à l'époque quand j'avais présenté la vidéo, il coûtait 59€ et pour moi c'était vraiment un prix canon. Je vous montre ici hein, la vidéo de l'époque, 59,99€, à ce prix-là c'était vraiment excellent. C'est pour ça, là pour le coup, il méritait vraiment sa récompense. Mais le moins cher en ce moment, c'est 75€, il a du mal à être en stock en plus. Donc pour moi, ce serait plutôt le nouveau Color Master qui serait vraiment super intéressant en ce moment, en 240mm. Donc il est sur le site Hardware et notamment LDLC à 69€. C'est le ML240L en version 2 RGB, qui est vraiment super joli et qui pour moi, au niveau rapport qualité-prix, est meilleur. Et juste une autre chose qu'on a testé sur la chaîne, c'est le NZXT H1. Donc regardez bien, il est redevenu en stock, notamment chez LDLC Top Achat. Donc meilleur boîtier mini ITX. Et pour finir aussi une souris qu'on a testée sur la chaîne, c'est la Color Master MM710 qui a été élue meilleure souris. Deuxième chose également, c'est qu'il y a les soldes sur Steam, les soldes d'été qui commencent, donc du 25 juin au 9 juillet, n'hésitez pas si vous voulez des jeux. Et en plus de ça, il y a 5€ de réduction dès 30€ d'achat directement dans le panier. Et on continue sur les jeux vidéo avec un Humble Bundle super intéressant. Donc à partir d'1€, vous débloquez 3 jeux. À partir de 3,76€, vous débloquez en plus de ça 5 jeux, dont Verali 4. Et à partir de 13€, vous débloquez encore plus de jeux. Donc pourquoi pas Humble Bundle, j'en achète de temps en temps, ça m'est arrivé. Et l'argent, c'est pour soutenir une œuvre caritative. Allez, c'est parti, on attaque maintenant avec les bons plans comme d'habitude. C'est les cartes graphiques et les composants pour commencer. Donc RX 570 4Go de chez MSI, 129,90€. Pour moi, c'est vraiment excellent. C'est une carte graphique comme je présente régulièrement. D'habitude, elle tourne dans les 140€. Elle est vraiment excellente pour jouer en 1080p, qualité moyenne, sans souci à tous les jeux, même des réglages compétitifs. C'est vraiment excellent. C'est vraiment la carte graphique idéale pour un PC à moins de 500€. Deuxième carte graphique pour cette semaine, c'est la GTX 1660 Super que j'ai présentée la semaine dernière aussi, modèle PNY. Alors là, c'est super intéressant, cette carte graphique, elle est idéale pour jouer en 1080p Ultra. C'est une très très bonne carte graphique, les prix avaient monté ces dernières semaines, là ça redevient intéressant. Pour ceux qui cherchent des RTX 2060, il y en a deux qui sont vraiment corrects en ce moment. Donc modèle KFA2 ici, chez Rue du Commerce, 332,40€. Et également chez Amazon, modèle MSI RTX 2060 Ventus, 331,80€. Dans tous les cas, les RX 5600 XT, notamment modèle Sapphire XFX, sont aussi performantes pour 30€ moins cher. Autre très bonne carte graphique, malheureusement toujours en cours de réapprovisionnement, donc 379,99€ pour une RTX 2060 Super de chez KFA2. Donc c'est un très bon modèle, très performant. Pour jouer en 1440p, ça fait le taf. Et justement, une carte graphique qui a reçu la récompense européenne au niveau hardware, la Sapphire Nitro Plus RX 5700 XT, excellent modèle. Elle était assez chère ces derniers jours, elle tournait plutôt dans les 480€, là 449€, ça reste très cher, mais c'est proche des performances d'une RTX 2070 Super. Donc elle est vraiment au top cette carte graphique, j'aime beaucoup ce modèle, surtout pour ce prix-là, 449€. C'est très correct. Donc on passe au kit évolution PC maintenant, notamment chez Rue du Commerce, il y en a souvent à très bon prix. Donc faites attention, ce kit est vraiment hyper intéressant, mais c'est en cours de réapprovisionnement. Donc Ryzen 5 3600 qui coûte à lui seul environ 180€, et la B450 Gaming Plus Max de chez MSI, un pack à 259,90€, c'est vraiment un prix vraiment excellent. Autre pack sympathique que j'ai déjà présenté, toujours en cours de réapprovisionnement, 319€ avec le Ryzen 5 3600X qui coûte environ 215-220€. Avec une carte mère MSI X470 Gaming Plus Max, avec le BIOS à jour bien sûr, donc très bonne carte mère, pour un pack à 320€. Autre pack intéressant, cette fois-ci en stock, donc 394€, vous allez dire que c'est très cher, mais il y a une offre de remboursement de 100€. Je vais en parler tout de suite après. Donc déjà le pack Core i5-9600K, qui est vraiment excellent en jeu. Pour jouer 1080p, c'est vraiment un très très bon processeur. 16Go en DDR4 3200, et une carte mère Z390 Pro de chez MSI. Donc 394€, c'est pas excellent comme pack, mais avec la petite offre de remboursement, je mettrai la page également dans la description. Donc 100€ remboursé, durée de l'offre jusqu'au 30 juin. Donc dépêchez-vous si vous comptiez acheter ce type de pack, c'est jusqu'au 30 juin et après période de réclamation jusqu'au 14 août. Donc pour ce faire, il faudra rentrer toutes vos coordonnées sur cette page.
Autre kit évolution sympathique, c'est avec un Ryzen 7 3700X avec une carte mère Asus TUF B450 plus gaming qui coûte environ 110€ en ce moment, 110-115. Donc le Ryzen 7 3700X, excellent processeur, c'est celui que j'ai dans mon PC de tous les jours. 8 cœurs, 16 threads, il est vraiment bon partout. Donc il coûte à peu près 330€, donc ça fait un pack vraiment super sympathique. Un pack vraiment très polyvalent. Donc c'est bien pour un PC, une base par exemple à 1200€, je pense que c'est pas mal, entre 1000 et 1500 on va dire. Au niveau processeur, il y a une petite baisse de prix sur le petit Core i3-9100F. Donc c'est un 4 cœurs qui est performant en jeu. Très bien par exemple avec la RX570 qu'on a vu tout à l'heure, la version 4Go. Pour se monter une petite config à 400-500€, c'est vraiment excellent. Autre promotion, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là, le Ryzen 7 2700X 8 cœurs 16 threads, il est très performant. Le ventilateur RGB dans la boîte qui va bien. Donc on va dire que c'est un processeur couteau suisse pour 189,90€. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment c'est assez difficile de trouver son concurrent, c'est le Ryzen 5 3600. Donc là un bon processeur couteau suisse à prix correct on va dire. Au niveau RAM, maintenant vous allez voir, il y a pas mal de kits en DDR4, ici 16Go en DDR4, 2666, donc le prix est vraiment canon, en plus de ça avec la livraison chez Cdiscount, moins de 60€, justement j'ai les modèles avec moi, donc ils sont là, modèle Accelerate, c'est des modèles qui sont vraiment sympathiques, PCB noir, un très beau look, en DDR4 2666, ça passe avec toutes les configurations, même les cartes mères B360, notamment chez Intel. On continue avec la RAM 16Go en DDR4 3000, cette fois-ci de chez Corsair, Low Profile, les LPX, 74,90€, donc c'est un bon prix avec la livraison. Autre modèle sympathique également, toujours DDR4 3200 cette fois-ci. Donc en CL16, 75€, les performances sont vraiment très proches pour à peine plus cher. Après, c'est une question de look, hein, les deux sont vraiment très bien. Si vous préférez Corsair également, DDR4 3200 cette fois-ci pour 76,90€. Et si vous préférez les modèles PNY qu'on a vu tout à l'heure, 76,99€. En DDR4 3200 cette fois-ci. On continue sur la RAM avec 16Go cette fois-ci en DDR4 3600. Donc c'était bien pour un Ryzen de 3ème génération, pour les Intel sur les cartes mères Z. Donc 78,90€, il y a des frais de port sur le site Alternate. Donc c'est un petit peu 9,90€ je crois de frais de port. Donc si vous commandez plusieurs articles, ça peut valoir le coup. Dans tous les cas, le prix est vraiment très très bien pour de la DDR4 3600. Autre pack sympathique, toujours PNY Accelerate. Donc 32Go en DDR4 3200 pour 125€, donc ça fait 62,50€ pour 16Go en DDR4 3200, c'était vraiment un très très bon prix. Donc 32Go, c'est bien si vous faites du stream, du montage, de l'encodage. Pour jouer, je pense pas que ce soit utile encore en 2020, mais dans tous les cas, le prix est vraiment très bien. Au niveau SSD, toujours de très bons prix sur la gamme Silicon Power. Donc 512Go, moins de 60€, c'est vraiment très bien. Et la version 1TB, moins de 100€, c'est également un très très bon prix. Au niveau alimentation, maintenant, il y a pas mal d'offres qui sont vraiment très bien sur le site Alternate. Donc ici une alimentation 400 watts de chez Gigabyte, 35,99€. La Charcoon SHP 600 watts 80+ bronze à 53,90€ qu'on a présenté dans le PC à 800€. C'est une très bonne alimentation également pour un très très bon prix, 53,90€. Et autre très bonne alimentation de chez Seasonic, 650 watts 80+ bronze, 58,90€. Au niveau boîtier maintenant, il y a un boîtier qui est vraiment sympathique chez Cdiscount, vraiment pas très cher. Un boîtier format ATX, c'est le Zalman T7. Donc version noire, mais alors j'aime bien ce petit grillage mèche en façade pour laisser passer un maximum d'air. Cette fenêtre ici acrylique qui s'ouvre un petit peu en façon portière de voiture. Et je crois qu'il y a deux ventilateurs dedans, donc un en façade et un en extraction à l'arrière. Donc 34,90€ livré, c'est vraiment un très bon prix. Autre bon boîtier à prix super intéressant, toujours chez Cybertech, j'ai déjà présenté, c'est le Colink Inspire K5 RGB. Donc beau petit boîtier avec du verre trempé, 43,99€, des petits frais de port à ajouter, mais franchement, pour la qualité de ce boîtier et pour le prix, c'est vraiment très bien. Autre boîtier en promotion chez Materiel.net, donc c'est un beau boîtier, mais il est vraiment très cher en temps normal, le Corsair Carbide 678C. Donc version blanche, une réduction qui va bien en ce moment jusqu'au 5 juillet, 139,97€, donc c'est un beau boîtier plutôt haut de gamme pour faire des configurations, on va dire, à partir de 1200€. Toujours chez Materiel.net et des offres toujours chez Corsair. D'ailleurs, il y a souvent sur le site Materiel.net des offres Corsair. Le tout nouveau H100i RGB Pro XT pour 119,96€, c'est le moins cher en ce moment sur Internet. Au niveau écran gamer, il y en a pas mal cette semaine, et d'ailleurs, si vous avez loupé ma vidéo, je mets la petite fiche, hein. J'ai fait une vidéo vraiment spéciale écran gamer, tout ce que je recommande, je fais un petit point sur les technologies également. Donc ici, chez Darty, ce qui est bien cette semaine, c'est qu'il y a 15€ en bon d'achat offert à partir de 150€ d'achat. Donc il faudra bien rentrer le code Darty15. Donc ce qui fait le très bon AOC qui est dans ma sélection, qui coûte en temps normal 200€, ça fait toujours un bon d'achat de 15€ supplémentaire. C'est un très bon écran 24 pouces, 144Hz avec une dalle IPS. Donc c'est un écran que je recommande ici
et le petit bon d'achat qui fait plaisir. Également un combo sympathique pour deux écrans 24 pouces 144 Hz de chez AOC, cette fois-ci Dalvea incurvé 144 Hz. Donc très bon prix, l'écran tout seul coûte environ 200 €. Donc là ça fait une réduction de 30 € si vous prenez un pack de deux écrans. C'est pas destiné à tout le monde certes, mais celui qui compte acheter deux écrans, autant prendre deux écrans identiques, ici à prix super correct pour deux écrans de qualité. Autre offre sympathique, c'est un écran Asus 27 pouces 165 Hz en Dalvea incurvé. Donc le prix de base est vraiment excellent, déjà 249,99 €, et vous avez également un bon d'achat de 15 €. Autre écran sympathique toujours chez AOC que je recommande fortement, donc 319,99 € le prix de base, ça fait quand même 30 € de bon d'achat en supplément, donc c'est toujours ça de bon à prendre. Donc c'est Dalvea 144 Hz, résolution 1440p. Et ceux qui veulent un plus grand écran, cette fois-ci en 32 pouces, 349 €, également un bon d'achat de 30 € en différé. Donc là, Dalvea également 1440p, 144 Hz. Il n'était pas en promotion lors de ma sélection, mais là, pour 349,99 €, je crois ailleurs que c'est même du 369 €. Et en plus de ça, avec le bon d'achat, c'est vraiment un prix vraiment très correct. Et pour finir sur les écrans, écran MSI 27 pouces, 1440p Dalvea 165 Hz pour 359 € également 30 € de bon d'achat. Donc franchement c'est un bel écran, le seul problème de cet écran c'est que le pied n'est pas réglable en hauteur. Au niveau périphérique gamer, vous allez voir, il n'y a pas des offres de ouf cette semaine, encore une fois c'est assez difficile en ce moment les périphes, mais il y a des offres qui sont quand même pas mal, notamment un clavier mécanique de la marque Ri-i. Clavier avec des switches bleus, 26,99 €, donc c'est un clavier rétro-éclairé en rouge. Clavier mécanique qui fait bien fini, je trouve. Donc c'est bien clavier AZERTY, parce que des fois dans ce prix-là, c'est pas facile de trouver de l'AZERTY. Donc 26,99 € pour un clavier mécanique, pourquoi pas. Également, autre clavier mécanique, c'est le Spirit of Gamer avec des switches Brand, qu'ils ont cette fois-ci pas le retour sonore et qui est cette fois-ci RGB, donc c'est pas allouable RGB, je pense que c'est pas rangé de couleurs ici, donc moins de 40 €. Autre excellent clavier mécanique, cette fois-ci de chez Color Master avec une plaque en aluminium, les switches Gateron Red, donc de très bons switches. Donc le CK530 pour moins de 60 €, c'est vraiment un très bon prix, donc c'est bien précisé AZERTY. En TKL, donc TKL qui veut dire sans pavé numérique, et moi c'est ce que je préfère, les claviers compacts. Autre promotion sur les claviers, c'est le Vulcan 121 Eimo de chez Rokat, 119,95 €, c'est le moins cher actuellement du marché, avec les switches plats titan. Donc c'est un beau, très beau clavier, personnellement je ne suis pas fan, mais je pense que certains doivent aimer ce clavier, il est très très bien réputé, et pour son prix 119,95 €, ça reste très cher, mais c'est vraiment un clavier de qualité. Au niveau souris, nous avons toujours la Logitech G603 Lightspeed sans fil en promotion, donc c'est une souris je rappelle à pile, donc l'autonomie est vraiment monstrueuse. C'est pas la meilleure souris sans fil, mais elle est vraiment très polyvalente pour moins de 50 €. Et au niveau casque, je n'ai trouvé qu'un seul cette semaine, c'est le Razer Kraken Tournament Edition, donc il y a une offre en ce moment chez Amazon à 62 € avec une petite carte son ici en USB, donc ça peut être bien celui qui cherche un casque USB sans se ruiner. On continue avec deux PC portables gamer, donc le premier pour moins de 800 €, c'est le Acer Nitro 5, c'est un 15 pouces avec un i5-9300H, SSD 256, malheureusement, c'est un petit peu juste par moment. GTX 1660 Ti, c'est vraiment top pour jouer 1080p élevé. Et il faudra installer Windows dessus. Donc moins de 800 €, c'est un PC portable vraiment super correct. Mais j'ai une grosse préférence pour moi, la meilleure offre du moment sur les PC portables, c'est le Asus TUF avec un écran 120 Hz, Ryzen 7 3750H, 8 Go de RAM, stockage de 512 en SSD. Et surtout RTX 2060 et Windows 10. Pour moins de 1000 €, c'est vraiment une offre canon. Il a longtemps été à ce prix-là, mais sans le Windows. Et on finit les bons plans avec une télé, une très belle télé Philips. C'est la The One en 65 pouces en Ambilight. Elle est vraiment extra cette télé. En temps normal, déjà, le prix est vraiment excellent. Mais en plus de ça, vous avez un bon d'achat de 60 €. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc rentrez bien le code DARTY15. Mais ça fait quand même un petit bon d'achat supplémentaire si vous avez un matériel en plus à acheter. Ça peut être une barre de son ou autre. Mais dans tous les cas, cette télé est vraiment très très bien. 65 pouces, c'est quand même assez grand. C'est monstrueux. Donc voilà, c'est un bon plan en ce moment chez Darty. Donc pour plus de bons plans, n'hésitez pas à checker également mon site internet. Hein, je le répète régulièrement. C'est la première ligne de la description. Donc les configurations PC Gamer que j'ai mis à jour. Et les bons plans PC. Donc tous les bons plans qu'il y a sur mon site ne sont pas forcément dans les vidéos. Donc n'hésitez pas à checker. En tout cas, merci à tous encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite un très bon week-end d'avance à tous, à très bientôt, ciao, bye!